Donc Joey 1, tuto. Bon, on va commencer par le son. Alors pour le son, j'ai mis un son assez clair avec une légère overdrive. Hein. C'est presque clair. Il y a par contre beaucoup de reverb. Voilà. Et j'ai un léger compresseur pour compenser un petit peu mon manque de maîtrise au doigt. Parce que le motif principal, je vais le jouer au doigt. Donc on y va, c'est à la 7e case, sur la corde de mi, non de si, pardon. Et donc on a 7e case et 6e case. Voilà. Donc je vais jouer avec ce doigt-là. Bravo. Et parce qu'avec le médiator, je trouve que le son est dégueulasse. Ça va pas. Donc avec le doigt, on aura plus de claquant. On aura surtout plus de dynamique. On va, la première note va être très forte et plus on va faire de notes et plus on va descendre jusqu'à la 6e case. Donc ça c'est le motif numéro 1. Ensuite on aura un accord de sol avec un léger vibrato, un accord de la avec un accord avec un léger vibrato si vous en avez un. Vous pouvez jouer ici. Voilà. Ensuite, on aura cette petite partie-là. Donc, on est en si, 6-5. Donc, deuxième case et quatrième case sur les cordes 1, 2, 3, 4, 5 et 5 et moins 1 fait 4. Donc, ici. Je ne sais pas si vous voyez. Et on mute les cordes. Donc, toujours cet accent. Après, on peut ouvrir un petit peu. Hein. On appelle mute. On peut jouer un accord plein juste avant de reprendre le petit motif au doigt. Donc on recommence. On aura la même chose. Ensuite, on aura le sol, le A. Et alors, tout à l'heure, on a joué le si ici. Et là, on va jouer à la 7e case. Pouvoir faire ça. Donc je pense qu'il doit taper 8 ou 9 fois. Donc 6, 7, 8. Et on reprendra ici le motif. Ensuite la batterie va arriver. Quand la batterie est lourde, voilà, on fait la même chose. Gardez les accents. Ensuite, il y a une petite partie, une petite transition, hein, donc je vais essayer de vous la jouer. On va jouer à la 4e case sur la 3e corde en partant du bas. Donc on a cette note là. La note en dessous est vide. Donc ça ferme. Ensuite, le doigt qui était à la 2e case sur la 5e corde passe sur la 1ère corde. Un petit coup de vibrato. On peut jouer 2-3 fois. Et on revient jusqu'à la 7e case. Je vous le fais normalement, on va dire. Et on reprend l'espèce de mute sur la corde si. Ensuite, on a le pont. Ouais, ça doit être un pont, je pense. Hein. Donc, on aura si mineur, mi mineur, si mineur, la mineur. Donc ça, deux fois. Et voilà.